on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les bestiaires de Alex Kidd Gaming sur Ark Survival Evolve. Et dans ce nouveau bestiaire, nous allons parler du castoroïde, en gros le castor. Il faut savoir que le castor est un dinosaure qui va être très intéressant à exploiter parce qu'il a beaucoup de capacités qui peuvent vraiment devenir des atouts dans le jeu. Il faut savoir déjà que le castor est si, l'un des, voire le meilleur, farmeur de bois avec le mammouth et d'autres dinosaures. Il faut savoir qu'il peut collecter des quantités de bois vraiment 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 très intéressant. Donc il faut vraiment utiliser ce dinosaure pour farmer du bois si vous souhaitez avoir du bois en très grosse quantité. Alors il faut savoir aussi que ce dinosaure est très rapide dans l'eau, donc il sera intéressant de l'utiliser lors de d'escapades sous l'eau ou autre. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser, sachant qu'attention à ne pas non plus le prendre pour un dinosaure spécialiste de l'eau. Alors il faut savoir aussi que c'est un dinosaure donc, qui crée des Giant Beaver Dam, qui sont une sorte de petits barrages de bois. Et il faut savoir que ces barrages en bois contiennent du bois, de la cementing paste, des silica perles, des rare flowers et des rare mushrooms. Et ça peut être très intéressant d'aller farmer dans ces sortes de petits barrages ces types de ressources que vous, en temps normal, n'avez pas forcément très facilement, on va dire. Alors il faut savoir qu'au niveau du timing de ce dinosaure, selon son niveau, ça va être plus ou moins long. Au niveau 1, ça durera 21 minutes avec de la kibble de Galliminus. Et au niveau 120, ça durera 10h30 avec de la romite, donc la viande de base. Alors il faut savoir que si vous tuez un castoroïde, vous allez pouvoir récupérer trois types de ressources. Donc de la romite, qui est donc la viande de base. Vous allez pouvoir récupérer du hide, donc de la peau, et du pelt. Alors il faut savoir qu'avec le pelt, vous allez pouvoir crafter pas mal de choses intéressantes. Des ressources de type éventuellement du stuff, par exemple, pour faire éventuellement la panoplie fur, donc la panoplie fur. Vous allez aussi pouvoir faire des rappelants, vous allez aussi pouvoir faire des bunk beds par la suite, une saddle de Procoptodon. Et donc voilà, donc il y a plein de possibilités au niveau de craft avec grâce au pelt, hein, qui sera intéressant de récupérer sur ce type de dinosaure si vous en farmez de grosses quantités. Alors il faut savoir qu'aussi que si on regarde bien la carte de Ark, on voit que le dinosaure est principalement axé sur la partie sud de la carte, mais on peut aussi le trouver un petit peu au centre de la carte. Hein. Donc si on longe les montagnes, si on longe les montagnes, on peut en trouver au milieu de la carte. Et dans le sud, hein, sur la partie au sud à droite de la carte, on voit sur le plan qu'il y a une grosse partie où on peut en trouver assez fréquemment. Il suffit de chercher correctement et on peut en trouver quand même. Hein. Alors, il faut savoir aussi que pour pouvoir tamer ce dinosaure, vous pourrez utiliser 4 types de ressources. Donc, vous allez pouvoir utiliser donc des berries, donc qui seront donc des baies classiques, de la méjoberry, donc des baies de type méjoberry, qui vous permettront de le tamer avec moins de baies que si vous utilisez d'autres baies. Des vegetables, donc tout ce qui est citron, patates, et carottes, etc., qui vous permettront de le tailler aussi avec moins de ressources, mais pareil sur le même timing. Et la kibble de Galliminus. Alors il faut savoir que la kibble de Galliminus se fait avec un œuf de Galliminus, une saboroute, donc une patate, et une cooked meat jerky. Bien sûr, ça en plus des ressources de base de la création de la kibble. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le timing du castoroïde et on se retrouve juste après. Et donc, on se retrouve pour le timing du castoroïde. Pouf, c'est parti. Une, donc. Deux. Ah, ça a l'air de suffire. 3. Ouais, c'est bon. Donc 3 fléchettes. Donc là, on va pouvoir lui mettre ce qu'il faut. Ouais. Alors, donc on va lui mettre. J'ai pas de méjobéry. Bon, c'est pas grave. Alors, on va lui mettre donc. Moi, je vais mettre toutes les baies que j'ai sur moi. Ouais. Des tintoberry. Des azulberry. Allez, hop.
On va. Maintenant, c'est des sites que j'ai. On va mettre quelques narcotiques aussi, je pense. Voilà. Viens là, toi, tac. Tac. Sachant que je vais quand même lui mettre des fléchettes parce que c'est un dinosaure qui a pas mal de vie. Donc au moins, on est tranquille à ce niveau-là. Allez, allez. Tac. Ça, c'est bon. Voilà. Impeccable. Bon. Ouais, ça a l'air de descendre. 81. 80. Ok. On voit que la torpeur, par contre, ouais, descend assez vite. Donc, il faudra quand même qu'on lui donne à manger. Que ça soit des narcotiques ou autre, de toute façon. On va peut-être d'ailleurs lui en donner quelques-unes, là. Tac, tac. En voilà deux. On va être généreux sur les narcotiques, quand même. Ok. Ah, il vient de manger, je crois. Ouais, il me semble qu'il vient de manger. Ok. Donc c'est un dinosaure quand même qui mange assez régulièrement. Je crois qu'il mange à 30, 20 ou 30, ça varie, je crois. Donc c'est intéressant parce que du coup ça tourne assez vite. Par contre, ouais, il faut faire gaffe à la torpeur. Donc quitte à lui balancer quelques fléchettes entre-temps ou lui balancer des narcotiques. Hein. On peut alterner aussi. Hein. Ok, je lui mets le reste de mes narcotiques. Il me semble que j'en ai encore d'autres. Où c'est qu'ils sont? Là. Ok, c'est bon. Un peu d'azul. Voilà, c'est bon. Bon, vous voyez, qu'il mange, donc c'est bon. Donc ça va être bon, je pense qu'on va se retrouver donc pour la suite du bestiaire, après une ellipse, je pense. Donc on se retrouve, à tout de suite. Et donc on se retrouve donc après cette ellipse, donc vous voyez que j'ai bien nettoyé la zone, on voit que le castor est presque tamé, donc on va, ouais, je sais pas s'il y en a d'autres là, donc là vous voyez, oula, c'est quoi, ouais, je sais pas si vous voyez, il y a il y a les fameux Giant Beaver Dam, donc l'espèce de barrage qui fond là, qui était dans l'eau là-bas, donc on ne devrait pas tarder à être tamé là, dans combien de temps? Ouais, si c'est pas sur ce coup là, ce sera sur le prochain de toute façon. Ok. 83, 82. Ok. Bon, il devrait pas tarder à être tamé. On voit que ça descend très vite au niveau de la torpeur par contre. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ouais, ça descend pas vite. C'est vrai que vous voyez que la torpeur par contre descend très vite. C'est vrai que je lui ai lancé pas mal de petites flèches, on va pas se mentir. Pendant son timing, là il devrait manger. Est-ce qu'il va être tamé? J'espère. Si c'est pas sur ce coup là, ce sera sur le prochain de toute façon. 71. 70. Yes. Ok, on va l'appeler Casto 1. Casto. Je vais récupérer mes narcotiques. Nice. Ok. Bon. On va pouvoir mettre la selle. Nice. Alors il faut savoir que pour la selle de Castoroid, il faudra 290 hide, 200 fiber, 100 mental ingot, 180 touch, 140 semantic past. Il vous faudra aussi un niveau 60. Ok. Donc on va. Donc là on voit qu'au niveau du poids, il est pas mauvais, hein. 300, 720 aussi au niveau de la vie. On va essayer de farmer avec, on va découvrir un petit peu comment il farme, ça sera intéressant. Donc il farme les baies, le bois. On va regarder pour les baies, vous voyez. Pour les baies, c'est bon. Bon, c'est pas non plus une quantité astronomique, mais c'est toujours ça de prix. Le bois, par contre. Je sais pas si vous voyez, c'est quand même monstrueux le farming de bois qu'il fait, quoi. Il est quand même monstrueux au niveau du bois, quoi. Regardez, boum, 16 de bois. Allez, tac. Et là, boum, 28 de bois. Alors, c'est quand même monstrueux au niveau du farming de bois, quand même. Donc il peut être vraiment vraiment intéressant pour le farming de bois, ça c'est clair. Vous voyez, bon, par contre au niveau des baies, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Sincèrement, même mon Gigantopithecus s'y fait mieux quoi. Et pourtant, c'est pas un spécialiste non plus. Hein. Ok. Donc il est quand même intéressant ce dinosaure, hein. On va pas se mentir. Il est quand même intéressant parce qu'il a quand même. Il farme quand même très bien le bois. Ça c'est clair et net. Il a aussi une autre particularité, c'est qu'il va sous l'eau. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va le tester. Pour vous montrer, on regarde bien la rapidité. Pouh. Là, tout de suite, il flotte beaucoup plus rapidement maintenant. Tiens, il y a un dilo là. Vous savez quoi? On va le tuer. Enfin, on va essayer du moins.
Allez, biche, un coup, biche, deux coups, et biche, trois coups. Voilà, bon, vous voyez, il le tue. Rot, il collecte pas la bouffe, hein. Donc ça sert à rien d'essayer de collecter, il collecte pas. Donc voilà, donc écoutez, on a vu le farming de bois, de baies, de thatch. Vous voyez, encore du bois, 36 de bois. Non, mais c'est impressionnant quand même. C'est quand même impressionnant le farming de bois, quoi. Donc voilà pour ce qui est donc du taming du castoroïde. On se retrouve donc, bah, écoutez, pour la suite du bestiaire. À tout de suite. Et donc on vient de voir comment tamer un castoroïde. Donc vous avez vu que ça prend forcément un peu de temps. Là, dans le taming, on a eu pour ouais, un peu plus de 2 h 30 dans ces eaux-là, à peu près, 2 heures, 2 h 30. Donc il faut quand même prévoir de longues durées pour le taming. Prévoyez quand même un petit temps, sachant que si vous jouez sur un serveur où le niveau est beaucoup plus élevé, vous allez partir sur des timings beaucoup plus longs, hein. Il est clair qu'il faut le savoir. Alors, il faut savoir que pour faire une selle de castoroïde, il faut avoir absolument le niveau 60. Il faut utiliser 50 points d'engramme pour déverrouiller donc ce craft. Il vous faudra donc 290 hide, donc des peaux, 200 fibres, donc des fibres, 100 metal ingots, donc des lingots de métal, 180 thatch et 140 semantic dust. Donc là, ça demande quand même des quantités assez grandes de ressources, mais elles sont très vite rentabilisées avec tous les apports que peut vous donner ce dinosaure. Et il nous faudra donc une smithy pour pouvoir la crafter, hein. Ça sera indispensable. Alors il faut savoir que le castor, si vous le mettez donc en autonomie au niveau du farming, il peut collecter pour vous une grande quantité de bois. Et ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. Ne serait-ce que pour le farming de bois. Vous allez aussi pouvoir, donc si vous choisissez de le manier vous-même en le montant, farmer de grosses quantités de bois. On l'a vu dans l'extrait du taming que c'était un très bon farmeur de bois et que en forêt, si vous êtes en forêt, vous pouvez clairement farmer de grosses quantités de bois si vous vous y mettez. Sachant qu'en plus, il possède, on en parlera un peu plus tard, mais il possède quand même un bon stockage, donc qui permet de pouvoir farmer beaucoup de bois très rapidement. Alors bien sûr, vous pouvez aussi farmer un peu de thatch avec, mais c'est pas la fonction principale du castoroïde. Donc il sera inutile de farmer vraiment le thatch avec ce dinosaure. Ça sera surtout pour le bois. Et vous allez aussi pouvoir farmer quelques baies en parallèle si vous souhaitez en collecter un petit peu sur la route. Mais attention parce que là c'est pareil, il y a des dinosaures bien plus efficaces que celui-là pour la récolte de baies. Hein, ça c'est clair, il faut le savoir. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que si on regarde un petit peu les 6 tableaux, donc avec par tranche de level du taming du castoroïde, on s'aperçoit que au niveau 1, donc le castoroïde par exemple, on peut mettre 1 h 30 si on utilise des balises pour le tamer. Sachant que on va utiliser comme une assez grosse quantité de narcotique si on n'utilise pas de flèches. Là, dans l'extrait du taming, j'avais utilisé quelques tranquilliseurs darts, donc les fléchettes tranquillisantes, pour augmenter sa torpeur. Mais vous pouvez aussi utiliser des narcotiques si vous en avez en grosse quantité, sachant que c'est quand même assez simple à faire, on va pas se mentir. Au niveau des baies, il n'y aura pas besoin de beaucoup de baies en fin de compte, parce que si on regarde même au niveau 120, on constate qu'au niveau des baies, il faut quoi? 700 baies. 700 baies, soyons honnêtes, avec un dinosaure qui ferme correctement, ça peut être très facilement récupérable. Hein. 700 baies, c'est très rapidement récupérable. Par contre, la narcotique sera, elle, beaucoup plus importante. Donc voilà. Après, si on part sur un petit castor niveau 50, admettons vous êtes sur un serveur classique, un petit castor niveau 50 est face à vous, comptez 350 baies du coup, et pas mal de narcotiques. Après, libre à vous d'utiliser les fléchettes tranquillisantes pour tenter de économiser vos narcotiques. Hein. Ça sera intéressant de le savoir. Alors maintenant, si on regarde à peu près, si on regarde un peu le castor au niveau 1, on constate que ce dinosaure possède donc de base quand même une vie intéressante et surtout un stockage intéressant. Ça peut être intéressant si vous utilisez ce dinosaure pour le farming. Alors après, vous aurez plusieurs possibilités hein, pour ce dinosaure. Vous pouvez l'utiliser pour le transport et dans ce cas-là, il vaut mieux augmenter sa stamina et son poids, qui permettra justement de stocker plus et de durer plus dans le sprint, dans le farming. Parce qu'à chaque fois que votre dinosaure va collecter, il va utiliser un peu de stamina, donc ça peut être intéressant d'augmenter sa stamina. Sachant qu'en plus de ça, il peut stocker un peu plus que les autres dinosaures de par le fait qu'il a une diminution du stockage de certains items.
tels que le bois, le thatch, la fibre et le stone. Au niveau maintenant au niveau du combat, vous pouvez aussi l'utiliser pour le combat. C'est un dinosaure qui n'est pas feignant, on va dire, sur le combat. Donc, je vous invite vraiment à utiliser l'augmentation des dégâts de mêlée, de sa vie et de sa stamina aussi pour en faire un très bon combattant. Parce qu'il faut savoir qu'avec ses 45 points, donc c'est comme on le voit, hein, avec ses 45 de base de dégâts de mêlée, on constate aussi qu'il a quand même une attaque qui est un peu plus forte que le Carnot par exemple. Carnot, donc du coup, il peut être intéressant de bien monter, de rendre ce dinosaure vraiment, vraiment très intéressant et très compétitif. Après, vous pouvez aussi augmenter l'oxygène, le poids et quelques points de mêlée pour en faire un très bon chasseur dans l'eau, hein, clairement. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez en faire, bien sûr, avec ce que vous pouvez en faire, quoi. Attention tout de même aux dinosaures aquatiques qui, eux, pourraient en faire qu'une bouchée, hein. Attention quand même. Augmenter rapidité, donc si vous souhaitez faire de ce dinosaure un dinosaure rapide, hein, aussi bien sûr, hein. Rien ne vous empêche d'augmenter si vous souhaitez qu'il soit plus rapide sur Terre, parce que étant donné que dans l'eau il est plutôt rapide, mais il peut être bon d'augmenter pour l'augmenter sur Terre. Alors il faut savoir que ce dinosaure ne pond pas d'œufs, c'est toujours bon à savoir. Par contre il se reproduit. Il faut savoir que la durée de gestation sera de 8 heures environ. Et le temps de taille bébé chez le castoroïde est d'à peu près 6 heures et quart. Donc voilà. Donc après une certaine attente, on peut découvrir un castoroïde tout neuf qui sera face à vous et qui vous permettra donc de farmer tout ce qu'on a dit préalablement dans cette vidéo. Donc pour en finir, donc ce castoroïde est un dinosaure très intéressant pour le farming de bois. Il va aussi pouvoir vous générer d'autres ressources grâce aux créations de certaines infrastructures spécialisées par les castoroïdes, donc les Giant Beaver Dam, que vous allez pouvoir ensuite dépouiller de leurs ressources. Il sera intéressant d'utiliser aussi ce dinosaure, parce qu'il est vraiment multitâche, ce dinosaure, contrairement à beaucoup de dinosaures qui ne le sont pas. Lui, il est vraiment multitâche, et ça peut être vraiment intéressant de l'exploiter à son maximum. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé ce bestiaire. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère que il aura répondu à certaines de vos questions sur ce dinosaure. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo si vous avez des questions sur ce dinosaure, le castoroïde. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, les amis. À bientôt.